Bonjour à tous, ici Sprelex et bienvenue dans ce 100e épisode de Let's Play sur Immortals Phoenix Rising. Ok, alors nous sommes. Nous sommes ici, on va aller se faire le coffre gardé qui est là. Et puis je propose qu'on aille faire les quêtes pour préparer les DLC. La quête ici, la quête là-bas. Et la quête ici. Enfin bref. Tout d'abord, on va vers le nord et on va chercher ce coffre. Ok, le coffre garde. Ah. Il y a deux. Oh purée. Moi qui voulais essayer d'avoir l'ours. Voilà. Bah c'était même et c'était là-bas. Ah, ça rame un peu. Alors, Gorgone, deux harpies et une chimère. Bon, allez, on termine vite fait une bonne. Dommage. Hop. Voilà. Voilà. Très bien, le coffre il est là. Parfait. Préparer pour les DLC, les quêtes, on va retourner au plus proche ici. Il y a un défi de vitesse encore que je n'ai pas fait, je n'ai pas terminé. Ici il y avait bah, allez, on va faire cette crypte. Je sais pas pourquoi aujourd'hui un peu le jeu. Ok, bon allez. On y va tout de suite. C'est un que je pouvais pas faire parce que j'avais pas le... La capacité... Non, j'ai toutes les capacités débloquées si je sais pas le faire. Ah, de l'XP. Ubisoft. Ok, donc déjà... Bon, encore du... il y a trois boulets enflammés, d'accord. Ah.
là. Là, ok. Hop. Très bien. Comment je fais pour aller là-haut, moi? Qu'est-ce que je dois faire à partir d'ici? Toute la question est là. J'ai mon point de sauvegarde, donc si je meurs, je réapparais ici. Si je tombe, je réapparais ici. Je peux pas faire ça. Je dois peut-être passer par au-dessus. Ah, oui, bon. Ok. J'ai raté mon coup parce que j'ai mal calculé le timing. Non. Très bien. Je suis coincé. Ah, je dois le faire par l'autre côté. Je dois faire le tour du... Comme ça. Alors ici, je dois rester baissé, non? Non, si. Hop. Oh, purée. Esquive, esquive, esquive. Et c'est par ici que je vais à la... au coffre. Comme ça. Non. Ok, oui. Voilà. Donc, à partir d'ici, je peux aller là. Ça, c'est gratos. Je peux aller là-bas. Voilà. C'est raté. Ok. Ah, je vais aller là-bas. C'est raté. Bon bah on va reprendre. Purée. Voilà. Alors je recommence à partir de là, bien entendu. Ça aurait été trop beau que je... Hop, je me baisse. Là, c'est l'esquive.
Très bien. Ça, c'est bien. Ensuite. Non. Non. Faut que j'y arrive. Donc ici, juste faire ça, c'est bon. Alors ici. D'accord. Un, deux, je vole. Et quand j'arrive tout près, hop. Et je continue. Un, deux, je vole. Et là, j'ai plus besoin de sauter. Très bien. Alors ici. On se baisse. Et hop, oh, j'ai réussi. Je pensais pas que j'allais réussir. C'était vraiment de l'instinct là. Ah non. J'ai sauté. J'ai... Bon bah, j'ai fait le con. Au moins j'ai pensé. Je recommence de là. Ok. Voilà. Ici, je me baisse. C'est dommage, hein, vu l'instinct que j'ai eu. Ouf, ça pique. Je prends une potion au cas où. Là, je passe ici. Voilà. Très bien. Ok, ok. Un, deux. Très bien. Une belle petite leçon d'esquive. Mince. J'ai raté. Tant pis. Ok. Ça fait pas tic tac, donc c'est que c'est permanent. Toi ici, je peux venir sur le côté. Là, je tape tout ce que je peux. Je dois venir ici au milieu. Grave. Ouf. Hop. C'était chaud ça, c'était très très chaud. Hop, sur le côté.
Mais pep pep. Pouf. Et ça monte. Ah, on y est. T'as le sauvetage. Ok, c'est bon, allez. Ok, bon. Alors, on va aller vers la quête, hein. D'accord, c'est un lion. Je l'ai pas, allez pour ma collection. C'est pire. C'est là-haut? Ouais, il a l'air que c'est là-haut, hein. Hop! Entrer dans la porte du Tartare. De son voyage, Phénix trouva un mur écroulé, victime de la rage de Typhon. Bouh! Ça marche à chaque fois. Salut à toi, mon héroïne. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Si t'espères recommencer à me voler mes affaires? J'ai dit que je regrettais. Et tes affaires, tu parles? Tu as presque tout ramassé sur ta route. Ah, ce lieu était l'un des plus animés de l'île. Ah, tous ces souvenirs heureux réduits en poussière et en cendres par Typhon. À propos de ce monstre, puisque j'ai généreusement accepté de t'aider dans tes aventures... Ah oui. Je vais être honnête avec toi. Je n'ai pas compris grand-chose à ce qu'a dit l'oracle. Une enfant persécutée? Le retour d'un héros? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? C'est vrai qu'il aurait pu se montrer plus précis. Nous sommes bien d'accord. Alors nous allons consulter Apollon. C'est le dieu de la divination, il doit connaître notre destin. Enfin, en avoir au moins une petite idée. Parfait. Mais on ne vole rien pour lui apporter en offrande. On ne risque pas de voler quoi que ce soit. En fait, Apollon ne vient plus sur cette île. L'avantage, comme il n'était pas là, il a échappé à Typhon. L'inconvénient, il est toujours absent. Dans ce cas... Il existe un moyen. Nous avons besoin de toi, de moi, de quelques monstres et de trois pierres. C'est plutôt amusant, non? Si tu le dis... Bien, retrouve-moi au grand arbre de la vallée de l'éternel printemps quand tu les auras toutes. Attends, quoi? Tu veux que je retrouve tes affaires à ta place? Et je pars toute seule.
C'est ça que font les jeunes aujourd'hui? Des pierres magiques? Il y a de la magie jusque dans les plus petites choses, même dans les pierres. Mais bah, je ne sais pas où aller, donc on va déjà aller récupérer ces pierres magiques là. Alors voyons, où dois-je aller? Là-haut, quand la route devient chaotique. Où est-ce que c'est là le plus proche? Ok, alors. À partir d'ici, c'est à l'ouest. Bah oui, mais j'ai déjà fait ici. Et alors, bah j'ai déjà fait. Donc ça doit pas être ce truc là à faire. Non mais c'est bon, il suffisait juste d'y aller et de montrer qu'on l'avait fait. Tiens, Cryptine explore. Zut. Oh, il y a encore les cryptes pas mal ici. Allez, on est parti, suivant. Bon, j'espère que ça va pas durer longtemps cette quête. Donc ça, c'est une quête d'introduction à un des DLC. Hein. Quelque chose qui brille. Non, c'est une flamme. Il y a des boutons. Montre de la guerre. Voilà. Non. D'accord. Juste pour ça, d'accord. Euh...
par ici. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Récupérer pierre magique d'Apollon. Eh bien, je ne sais pas. C'est toi que j'étais. Ah bah oui, c'était toi que je vais buter. Suivant. C'est limite même pas marrant quoi, tellement c'est rapide. On revient là. Alors à partir d'ici c'est par là. Ce sera pas un hécaton chier, je pense que ce sera une... Ah bah non, c'est un cochon. Enfin des cochons. Non. Ou alors je l'avais déjà eu. Non. Ce sera vers le sud. Ah bah. Et en voilà trois. Eh ben Phoenix est compté, c'est déjà ça. Et la magie, elle est où? Phoenix savait, naturellement, que seul Apollon saurait manier ses pierres. Pierre magique, on a dit. Ok, alors je dois aller là. Hop. RS. Et ce sera... Bien sûr, il est en haut. Hein. Ici, on était dans la crypte de d'Aphrodite. Restez où, dis pas que t'es là-haut. Si. Oh purée. J'aurais pas pu choisir un endroit un peu moins. Voilà. Je vais
vais faire une crise cardiaque si tu fais ça tout le temps. Tu as mes cadeaux? Oui, les voilà, tes pierres. Mes pierres magiques. Et je te rappelle qu'elles sont à Apollon. Mais il m'a prêté un pouvoir redoutable. Bon, on va les secouer un peu. Esprit prophétique, accorde-nous de voir notre ce sont des dés. Pour le corrupteur, ou au moins éclaire-nous un peu plus. S'il te plaît. Ah non, c'est pas des dés, quand même. C'est pas vrai. J'ai dû oublier quelque chose. C'est sûrement parce qu'on a besoin d'Apollon en personne pour la vraie prophétie. Après tout, c'est une affaire grave. Pas le genre de choses qu'on délègue. Mais tu as dit qu'il n'était plus sur l'île. Apollon ! Eh oh ! Apollon ! Mon frère ! Non, mais il est sérieux. En fait, je m'y attendais un peu. Le mieux est d'aller à la statue d'Apollon et Daphné. Ce sera le lien le plus direct. Enfin, je crois. Très possible qu'Apollon ne soit pas chez lui. Tu ne crois pas qu'on devrait plutôt continuer tout seul? Non, non, ça va marcher. Promis. Je suis déjà allée là-bas. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait plus de magie qu'ailleurs. Tu ne savais pas ce qu'il fallait chercher. Nous chercherons ensemble. Je te retrouve là-bas. Encore. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Bon, ben on va s'arrêter ici. On continuera ça dans le prochain épisode. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien. Bye.